laissé aller dans cette caserne. Vous cherchez une planque, vous n'allez pas venir en Algérie. Alors on m'a écrit. Tu as de la chance. C'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, que c'est un pays magnifique et que c'est pas la guerre comme on croit. On défend la France, mon vieux. Les intérêts de la France. Moi, ce qui me hérisse, c'est qu'on est là pour défendre les pieds noirs. Mais le mieux... c'est qu'on va se marier dès qu'il aura une permission. Je voudrais que cette guerre ne finisse jamais. Vous êtes chez nous ici, hein? C'est pas vous qui faites la loi. Les pieds noirs, comme vous dites. On sait bien qu'est-ce que vous pensez de nous en France. Hein? Maman, arrête, tu le gênes. J'ai rompu avec Isabelle. Elle a pris ça comment? Elle a dit qu'elle comprenait. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, mon Laurent? Oh, les bêtises. Ton problème, c'est que tu es née du bon côté, Evelyne. Tu n'as pas besoin de te battre pour exister, tu ne sais pas ce que c'est de se battre. Je suis algérien. C'est chez moi, ici. Vous savez, qu'est-ce que ça change? C'est la guerre, non? Mais c'est des pauvres gens, des innocents, ils ont rien fait. Pourquoi tu fais ça, hein? Comment je peux exiger une sanction? Parce que François l'a dénoncé, parce qu'il a été torturé, qu'il est mort. Quel François? Ton frère a dénoncé mon père, tu es sourde. Quoi? Qu'est-ce qu'il... Attends! Debout là-dedans! C'est comment ils les obtiennent, les renseignements? Par la torture, vieux. Tu crois que si ça se passait comme ça, je les emmènerais ici? On peut faire beaucoup de conneries pendant une guerre, Laurent. Et faire celui qui est pas au courant, ça... ça me fait vraiment dégueuler. Comment je peux exiger une sanction? Alors que moi-même, je suis un assassin.